Bonjour à tous, bienvenue sur le Lab Manpower Group pour cette session Ask Me Anything avec Yacine Scali. Yacine, je vais te laisser te présenter tout de suite, mais n'hésitez pas à me faire un signe si vous avez des questions à poser à Yacine pendant cette session. Je me rapprocherai de vous. Je te laisse la main. Merci Sarah, merci pour l'invitation, merci à Manpower. J'espère que ça va être intéressant. J'ai pas l'habitude de parler de moi, en fait j'ai un média et en général je suis de l'autre côté, c'est moi qui pose les questions. Donc voilà, j'ai un média depuis 3 ans, c'est dans la tête d'un CEO, je sais pas si certains connaissent. J'ai l'opportunité d'interviewer et aujourd'hui on est plutôt bien référencé, donc je peux le dire, les meilleurs CEO dans la tech, en tout cas en France, à Paris. Et depuis peu je travaille aussi, j'ai repris le podcast de Station F et un autre média, Billion. Je vais juste vous faire rapidement mon mini parcours et puis après l'idée c'est peut-être que vous me posiez des questions histoire que on parle pas que de moi tout seul, moi je veux dire, voilà, ce sera pas très naturel. Et concrètement on peut parler du podcast, mais on peut évidemment aussi parler de vous si vous avez envie de vous projeter dans l'entrepreneuriat. Moi je pourrais vous partager les conseils que j'ai reçus, même si les conseils évidemment c'est toujours facile de les entendre, plus dur de les appliquer. Donc voilà. Pour parler de moi rapidement, j'ai étudié à l'étranger, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de mes 10 doigts. J'ai suivi les conseils de mes parents qui sont juste là. Donc voilà, je ne savais pas du tout. Je suis rentré en ingé, j'ai gradué en finance. Je suis rentré ensuite en fonds d'investissement en start-up pour au final finir dans les médias. La logique, je dirais qu'il n'y en a aucune si ce n'est que ouais, je sais pas, j'ai été ouvert d'esprit en fait. Le podcast, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai repris. J'ai vu une opportunité, j'étais très stressé à l'idée de faire ma première interview. Et en fait, j'ai découvert une passion pour ça, une passion pour vous tous, l'être humain et tout ce que vous avez à m'apprendre. Donc voilà, je vais essayer de faire preuve de beaucoup d'humilité parce que selon moi, j'ai pas encore fait grand-chose. Et notamment quand on a des CEO qui ont levé des millions et qui créent énormément de valeur au quotidien, ce fameux syndrome de l'imposteur se développe. Mais eux aussi ont douté et c'est bien le but justement du podcast, c'est de pouvoir vous permettre à chacun d'entre vous de vous projeter dans l'entrepreneuriat et vous rendre compte qu'il y a plein d'alternatives plutôt que de se lancer tout seul. Et encore une fois, parfois le produit il est sous les yeux comme moi. Je l'ai fait pendant 2 ans en side project et j'ai quitté mon CDI il y a quelques mois. Voilà, voilou. Dites-moi si vous avez des questions. Peut-être que vous avez des questions. Moi, j'en ai au moins une peut-être pour lancer Éveiller les curiosités. On fait le icebreaker. Allez, Sarah, je t'écoute. Du coup, je me dis, tu as repris le podcast juste par opportunité. Comment tu as fait pour développer les compétences qui sont nécessaires du coup pour les interviews? C'est un exercice assez particulier, pas vrai? Comment tu as fait? J'ai écouté des podcasts. Donc, je ne vais pas mentir. Je pense qu'on a une référence dans l'écosystème qui est Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. J'ai beaucoup écouté, pareil pour le stand-up, j'ai commencé à faire du stand-up mais j'ai écumé les salles avant en tant que spectateur. J'invite tout le monde à le faire parce qu'en fait ça te permet de te projeter et au bout d'un moment tu n'es plus spectateur, tu es critique. Et selon moi si tu es critique, c'est que tu te projettes déjà et que tu penses que tu ferais des choses mieux ou moins bien. J'ai appelé aussi beaucoup de podcasteurs, je leur ai demandé des conseils. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de rester soi-même. Sinon, ça retranscrira à l'audio que tu n'es pas naturel. Et je pense in fine que c'est ce qu'on recherche dans un podcast. C'est ni le nom, évidemment, c'est les invités, mais ce n'est pas le nom, le branding du podcast. C'est aussi la vibe qu'on essaye d'installer. J'ose espérer que je suis assez chill comme mec et bienveillant. Ouais, ça c'est important. Par exemple, tous les invités que j'ai, je leur parle une demi-heure avant. Je leur explique que le podcast, ça va être que de l'impro. Ça aussi, c'est important. Premier podcast, je l'ai fait avec Paul Lé de La Belle Vie. J'avais 20 questions, je lui en ai posé 2. Le podcast a duré plus d'une heure et en fait, j'ai rebondi sur toutes ses réponses parce que c'était trop intéressant. De là, je me suis dit, ok, certains pourraient croire que l'impro, c'est un exercice difficile. Moi, en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi de vous écouter, enfin, écouter mes invités et rebondir dessus. Voilà, c'est de l'écoute active, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc, au fur et à mesure, Paul Lé m'a fait confiance et je ne l'ai pas calculé, ça. Je pense que donc c'est quelqu'un qui est assez notorious dans l'écosystème et grâce à ça, j'ai eu plein d'autres invités plus qualitatifs les uns que les autres et j'en suis pas peu fier. Le dernier en date, c'est Blaise Matuidi. Allez Paris. Et j'allais d'ailleurs dire que cette interview est tout à fait improvisée puisque c'est vous les intervieweurs, hein, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Ouais, c'est vraiment pas obligé que ce soit sur moi.
Ah, on m'entend ? Ouais. C'est vraiment pas obligé que ce soit sur moi. Encore une fois, je pense que ma vie est pas si intéressante et trépidante. En revanche, je rencontre des gens qui sont ouf au quotidien. Évidemment, tout ce dont on parle, c'est dispo sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite à écouter. Il y a plus de 100 épisodes qui durent en moyenne une heure et demie. Mais on peut peut-être essayer de faire un condensé ensemble si vous voulez entendre ce qu'ils m'ont dit. Bonjour Yacine, je découvre, hein, je viens d'arriver, c'est la première fois que j'entends parler de toi. Je te tutoie, hein, ça te dérange pas? Il n'y a pas de soucis. Excuse-moi. Je suis pas une star encore, ne t'inquiète pas. Pas encore, mais peut-être un jour. Est-ce que tu nous as dit que tu avais, interviewé les meilleurs CEO, en tout cas ici en France et à Paris? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Des noms? Oui. Ouais, bah écoute... 100 épisodes, ça va être compliqué. Bah déjà, je vous invite à vous plugger lundi matin à 6h. Il y a l'épisode avec Cyril Chiche de Lydia qui sort. J'ai reçu David Laroche de Paradox. J'ai reçu les CEO de Conto, Sunday. Qu'est-ce que je peux vous dire de Too Good To Go, Payfit, Job Teaser. J'en oublie tellement qui vont tellement m'éclater s'il y en a qui sont dans le public ou qui m'écouteront plus tard. Je sais pas, dis-moi toi par exemple, c'est qui le CEO qui te ferait le plus kiffer d'entendre, et je peux te dire si j'ai déjà essayé ou et si ça s'est fait ou pas. J'ai pas d'exemple en tête pour le coup. Je me demandais si toi tu aurais des exemples à donner peut-être. Ouais, je te dirais qu'en fait c'est pas mal les personnes qui sont on va dire connues. Alors évidemment vous allez regarder qui veut être mon associé. Le dernier en date que j'ai toujours pas eu, c'est Eric Larchevêque, mais Frédéric Mazella c'est fait, Anthony Bourbon c'est fait. Après, il y a évidemment pas mal qui font partie du Next 40 ou du FT120. Et après, il y en a aussi énormément qui n'ont pas levé d'argent, qui n'ont pas des chiffres d'affaires qui se comptent en millions, mais qui, selon moi, ont énormément de valeur à apporter. Je pense à un Wilfried Granier, qui, lui, n'a jamais levé de fonds et qui a créé Superprof, qui est un mastodonte du cours particulier. Je pense à Guillaume Moubèche, qui a fait un certain buzz parce qu'il a refusé 20 millions d'offres de levée de fonds, mais qui est à la tête d'une boîte qui est valorisée, il me semble, à plus de 350 millions et qui n'a jamais levé un seul centime. Et après, je pense à d'autres personnes, type Anthony de Diversity Days, qui est une association qui œuvre pour l'inclusion dans la tech. Et ça aussi, c'est des combats qui m'intéressent. Je dirais que le point commun à tous ces gens-là, en fait, c'est la passion. Et je pense qu'on a tous une passion. Et l'idée, c'est de comprendre comment tu passes d'une passion à un business. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien et qui te fait dormir sur ton oreiller paisiblement le soir? Et l'intérêt pour moi, c'est éveiller les consciences et me permettre à moi demain de faire un podcast, de commencer à faire du stand-up ou de me retrouver devant vous. Et aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise, mais j'ai beaucoup bégayé dans ma vie, vous inquiétez pas. Bonjour Yacine. Hello. Alors moi, la question que j'ai à te poser, c'est maintenant que tu nous as expliqué que tu as même quitté ton CDI et que tu es consacré à plein temps dans ce que tu fais. Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine différence dans ta vie, une certaine forme même de liberté ou quelque chose de plus calme que avant, entre guillemets? Alors le mot calme, je l'emploierai vraiment pas. Je vais parler d'une sorte de schizophrénie qui est que au quotidien, ce qui m'anime, c'est courir après un peu les stars. Donc c'est la Vivatech, ça va sortir bientôt. On a eu Elisabeth Borne, on a eu Bruno Le Maire, des gens qui pour moi sont assez inaccessibles. Et en fait, ça c'est l'audace et moi j'adore, je prends tellement de plaisir dedans. Et puis le soir, je rentre et je me dis « Ok, j'ai l'impression de créer de la valeur et pourtant, mon compte en banque, il est assez light. » Ça, c'est la dédicace à mes parents qui sont là et qui sont bien au courant. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont décorrélées. En même temps, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Vraiment, je bosse le samedi, le dimanche. Il n'y a plus une notion de week-end ou de semaine. On me dit, par exemple, le dimanche, « Ah, mais t'as pas la flemme de monter ton podcast. » Ouais, mais en même temps, quand t'as enregistré avec des gens hyper chauds, enfin, c'est la dernière étape, c'est le dernier kilomètre. Donc, évidemment que ça me saoule, mais aujourd'hui, je le fais en caleçon, sur mon canapé. Non, mais je vous le dis, hein, vraiment. Et je déteste ma voix, je déteste me réécouter. Mais en fait, c'est la finalité. Je me suis engagé vis-à-vis de mon invité. Donc voilà, pour répondre réellement à ta question, je suis très heureux dans mon travail, mais c'est pas facile financièrement, vraiment. Je regrette en rien mon choix.
Et ce que j'ai dit également, c'est que sans la tech qui a émergé il y a des 20 dernières années, je serais probablement dans une grande entreprise et malheureux. Parce que c'est pas fait pour moi. Ça veut pas dire que c'est pas fait pour les autres. C'est juste que moi, j'ai appris à me découvrir comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond à ma question. Et j'aurais une question à te poser, une dernière question à te poser. On parle du coup des conseils pour se lancer en entrepreneur. J'ai pas entendu, excuse-moi. On parle de... Ouais, on parle des conseils pour se lancer en entrepreneur pour un jeune de 17, 18, 19, 20 ans qui a des idées mais qui sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais parce que à cet âge, peut-être qu'on manque de moyens, peut-être qu'on manque de connaissances, etc. Je vais te répondre très simplement. J'ai une première réponse qui est que, à la fin de chaque épisode, je pose la question, c'est quoi le conseil le plus sous-coté que toi, mon invité, t'aurais aimé entendre à la veille d'entreprendre ? Donc, premièrement, je t'invite à écouter une centaine de conseils qui sont dispo. Et il y a un conseil qui m'a marqué, c'est celui de Sébastien Coinon. Il m'a dit, prends tous les conseils, écoute-les tous, mais ne les applique pas forcément. En fait, l'idée, c'est d'écouter, d'enrichir, mais de te faire ton propre avis. Ce dont les gens parlent, c'est leur prisme. Un conseil, il vient de ton expérience et de ton vécu. On a tous des expériences différentes et même si on a la même, on le ressentira différemment. Typiquement, si demain tu devais prendre le micro, peut-être que tu préférerais avoir un script. Moi, je sais qu'un script va me faire flipper parce que... Oula, désolé. va me faire flipper parce que je prends plus de plaisir dans l'interaction non calculée, etc. Encore une fois, c'est apprendre à se connaître et selon moi, les conseils, il faut vraiment aller les chercher. Et la deuxième chose, je dirais, c'est... projette-toi. Une des énormes conneries que j'ai beaucoup entendues, c'est quand même « je veux pas parler de mon idée ». C'est la pire c'est le pire des conseils qu'on puisse donner. C'est se dire qu'on a peur de la compétition. Premièrement, si tu en parles et qu'il y a quelqu'un qui a une idée similaire, c'est potentiellement ton associé demain, alors que tu n'étais pas en train de chercher un associé à la base. Et crois-moi qu'être tout seul, c'est très très dur, émotionnellement parlant. Et encore une fois, après, ouvrir un petit peu ta vision de ton produit. Il y a mon frère qui est là, je parle beaucoup avec ma sœur et je lui dis j'ai besoin de te parler parce que j'ai la tête dans le guidon et que dans mon podcast je vois ça et qu'en fait il y a tout ça, toutes ces opportunités que je vois pas. En vrai, Vivatech m'a apporté énormément. Je pense que vous verrez des épisodes en septembre. Ça veut dire que j'ai trouvé des sponsors, autrement je reprends un CDI et je serai très malheureux. Donc voilà, je suis assez optimiste. Mais demain, après tout ce stress qui redescendra, je ne sais pas si je le serai autant. Donc, c'est quand même des montagnes russes. Moi, j'ai une question aussi pour toi. Est-ce que tu l'as un peu dit, mais on va faire une question. Et je vous laisserai après réfléchir. S'il y a une dernière question dans le public, j'en vois une. Pire conseil, tu as parlé de ne pas partager son idée. Est-ce qu'il y a un pire conseil autre que tu aurais entendu aussi et que tu déconseilles de suivre du coup ? Je ne sais pas si c'est un conseil qu'on te donne, mais en fait, quoi qu'il arrive, tu vas avoir des obstacles, selon moi, dans l'entrepreneuriat. Tu en auras tout le temps et c'est quelqu'un, je le vole, hein, vraiment. Je n'aurais pas bien le formuler, mais c'est quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure sur la stage 2. Et il a dit, en fait, si tu t'arrêtes au premier échec, tu ne vas jamais aller plus loin dans ta vie. Ce qui est intéressant, en fait, quand tu as un échec, pour moi, c'est évidemment, ouais, c'est émotionnel, c'est dur, mais c'est d'en parler, d'essayer d'analyser, de prendre du recul. Et vous ne vous rendez pas compte que la première baffe que tu te prends, derrière, ta joue, elle est déjà rouge, quoi. Donc, tu t'en as plus rien à faire, quoi. Donc, concrètement, moi, j'ai contacté énormément de personnes. Tiens, je peux te parler, on me posait la question tout à l'heure. Pendant un an et demi, j'ai relancé Jean-Charles Samuelian, Verve, fondateur de Alan. Et à la fin, il m'a enfin répondu et il m'a dit « Yacine, moi aujourd'hui, je mets en valeur les membres de mon équipe et je voudrais que tu les interviewes eux. » Et je lui ai dit « Franchement, c'est incroyable, il manque d'entrepreneurs qui soient humbles comme ça. Mais moi, le problème, c'est que je veux des faiseurs. Je veux pas des managers, je veux pas des gens qui arrivent et qui fassent ce qu'on leur dit. Je veux vraiment des gens qui aient une idée, qui la portent et qui passent à l'action. Le plus important, on parle du 0-to-1, c'est passer à l'action. » Donc, ça ne répond pas réellement à la question. Et donc, au final, je l'ai eu. Spoiler, j'ai réussi à le convaincre. Et avant même de faire le talk, j'étais hyper content, tu vois. Et je savais qu'on allait passer un bon moment. Et je peux te dire que j'ai renvoyé des emails et il m'a répondu à tous mes mails. J'ai quand même envie de donner un conseil.
En fait, c'est pas ça l'action. Et l'action, c'est parler. L'action, c'est venir à Vivatech. L'action, c'est écouter un bolos comme moi qui raconte sa vie. Non, mais vraiment, en fait, c'est ça l'action. C'est interagir, c'est poser des questions aux gens. Et tu verras que la vue que tu auras quand d'autres personnes vont pitcher, bah, en fait, elle sera déjà enrichie et différente et en fait beaucoup plus nuancée. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour moi. Il y a toujours des nuances. Et c'est comment toi, tu l'intègres. C'est bon ? Bonjour Yacine. Bonjour Yulia, comment ça va ? Ça va et toi ? Mais ça va. J'ai une petite question. Moi, j'ai écouté plusieurs de tes épisodes. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà écouté ou pas, donc je vous conseille. Mais comme je n'ai pas tout écouté, ouais. Voilà, j'ai une question. En fait, parmi tous les interviews que tu as fait, est-ce qu'il y a des traits, des habitudes, des façons à gérer des entreprises qui t'a surpris ? Et est-ce que tu peux te donner des exemples en fait, parce que tu vois, il y a des traits qui sont similaires, communs parmi des CEO. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment des choses qui peut-être t'ont surpris, qui, en fait, où tu as vu ça apporter du succès également. Je vais parler d'un mec, c'est Anthony Bourbon, que vous devez connaître, qui veut être mon associé, qui paraît très assurant. Presque parfois, on peut le voir comme de l'arrogance. Je l'ai vu d'une humilité, je l'ai mis face à énormément de ses paradoxes. On a beaucoup parlé de santé mentale, donc il a des troubles, il prend des médicaments, il voit un psy. Et en fait, moi aussi, j'avais des idées préconçues. Et en fait, c'est l'humilité, quoi. Et en fait, je te dirais que j'ai eu ça dans énormément de podcasts. Si vous les écoutez, vous verrez qu'il y en a beaucoup à qui je dis, au bout de 40 minutes, c'est quand tu veux pour qu'on parle de ta boîte. Et en fait, quand je leur dis au départ, c'est dans la tête d'un CEO et pas dans la tête de ta boîte, ils le prennent au mot et ils sont vraiment là dans la posture de give back. L'autre chose qui m'a surprise, c'est leur accessibilité. Et pareil, on parle même d'Elisabeth Bornière, je pensais qu'elle ne me calculerait pas. Et en réalité, ils sont accessibles. Encore une fois, je n'aurais pas été audacieux, je ne serais pas allé dans l'action, je me serais arrêté à... C'est des gens qui sont sur scène, qui pitchent devant 500 ou 1000 personnes, inaccessibles. Ah bah. Et le meilleur exemple sur ça, c'est Mohamed Bouafsi, un journaliste dont moi je suis fan, qui a bercé mes soirées de Ligue des Champions. Bon, qui est pour l'OM, j'ai appris ça, moi je suis pour le PSG. Et Youch, aujourd'hui, vit à Marseille. Malheureusement, je ne valide pas ce choix. Et en fait, il m'a répondu suite à un message Instagram. Et je vais vous raconter la petite histoire. Donc déjà, il m'a répondu à minuit 5. J'avais un podcast le lendemain à 8h, grosse insomnie comme vous pouvez imaginer. Il m'a dit « Hello Yacine, ok, avec plaisir ». J'ai pas eu de réponse pendant 3 semaines. Je devais enregistrer avec Moussa Camara des Déterminés. Je scrolle sur Instagram au hasard et je vois en fait une certaine Angéline. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails. C'est quelqu'un de proche de Mohamed Bouafsi et c'est quelqu'un qui travaille avec Moussa Camara. Mohamed, on l'a relancé et je l'ai eu en 2 jours derrière. Et en fait, c'est juste ça que je veux dire, c'est que tout le monde se connaît. L'écosystème, il est petit. Moi, j'ai envie de l'ouvrir. Mais en fait, lâchez rien. Continuez à parler avec des gens et vous verrez que quelqu'un qui vous croyez inaccessible, en fait, il y a toujours des bonnes choses qui en sortent. Il faut juste être enthousiaste et positif. Allô, vous m'entendez ? C'est trop court, Yacine, on te garderait bien, mais on n'a plus de temps déjà. Merci à tous, je pense qu'on a compris, merci, il faut aller écouter dans la tête écouté. D'un CEO. Et pas et que puis, le mien, écoutez tous les podcasts. La réalité, c'est que pareil, on est des créateurs, entre guillemets, de contenu, mais on n'est pas compétiteurs. On s'échange, on veut se faire des passes dés entre nous. Et c'est pareil, et dans les fonds d'investissement, et dans les startups. Enfin, si tu n'as pas de bienveillance, in fine... On s'en fout de ta boîte, tu sers l'écosystème, tu sers la société. Donc voilà, faites-le pour l'audience et vous verrez qu'il n'y aura que du positif qui redescendra. Et puis si vous voulez d'autres conseils pour vous lancer, on est sur le Lab Manpower Group, il y a plein de recruteurs et de coachs qui sont présents pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à être audacieux et aller leur parler. Et je voudrais vraiment remercier Sarah et Manpower pour la petite histoire. On s'est rencontrés il y a un mois au H7 à Lyon, que je salue évidemment. Always. Voilà, ça vient d'une rencontre. Je crois qu'on a fait un call 3 jours plus tard. On a vu les potentielles synergies et j'espère qu'on bossera encore ensemble. Bien sûr. Merci à tous.